The chapitre Poisson Distribution Part 2, Nubuko Wizard Worksheet, Law, More Exercises on Poisson Distribution, Expectation and Variance of Poisson Distribution. Question N. Emails arrive randomly on Oliver's computer at an average rate of 1.46 per hour. Stating a necessary assumption, finds the probabilities that between 9 a.m. and 11:30 a.m., Oliver receives no emails et at most 4 emails. Alors ici, nous capable dénoter x comme number of emails that arrive on Oliver's computer. Mais ici, à quoi dire from between 9 a.m. and 11:30 a.m. Là, vous trouvez total time, il fait 2h30. Alors ici, dit per hour. Alors nous pouvons prendre in a period of 2 hours 30 minutes. Parce que d'après requirement nous question, nous pouvons pour 2 hours 30 minutes. Ok. Alors nous get question qui nous demandait. D'abord, in just state any necessary assumption. Pour qu'il y ait un event, il faut le Poisson Distribution a 4 conditions. Première condition, nous event besoin occur randomly. Deuxième, besoin singly. Troisième, besoin independent. Et quatrième, besoin at a constant average rate. Alors, vous trouvez qu'il y en a deux là-dedans, infinitière qui est random. Ben email à Astéa, ça ben event qui occur là, c'est emails arrive. Mais emails vous arrive randomly, singly, independently at a constant average rate. Parmi ces quatre conditions, la première là l'infinitière randomly et at a constant average rate l'infinitière average rate là 1.46 per hour. Chaque hour il pour 1.46, veut dire le constant average rate, c'est la signe correct. Next, on a deux conditions, singly et independently. Singly, c'est nous pouvons faire observation one at a time. Alors que Oliver il peut check ce email, il ne peut pas check ce email one at a time. Ok, ça n'est pas un issue. Mais independent, il a les types besoin préciser. Ça même qui assumption. Alors assumption, il nous demande là-dedans qui assumption, il peut besoin qui emails besoin arrive independently. Ça n'est pas préciser aucune place. Ok, les types bien précisés, mais ça même l'idée, donne-moi un necessary assumption. Ça, c'est assumption qui est nécessaire pour être capable. Prends sa situation-là, fait deviner une poisson distribution. Alors ici, nous connaissons qui nous lambda, nous mean, les 1.46 per hour. Mais nous, nous besoin pour 2h30 parce que c'est from 9 a.m. to 11:30 a.m. Alors, nous connaissons qui, in 1 hour, average là, les 1.46. Next, nous pouvons get pour 2.5 hours. Alors, 2h30, c'est 2.5 hours. Alors, pour 2.5 hours, average là qui peut venir 1.46 fois 2.5, soit 2.5. Alors, si nous évaluons 1.46 multiplié par 2.5, réponse pour venir 3.65. Alors, average là, il vient 3.65. Ici, nous sommes capables de dire qui x fait le Poisson Distribution, le mean lambda pour 2.5 hours, du coup, 3.65. Et question première partie, il peut dire, de sa 2 hours 30 minutes start from 9 a.m. to 11:30 a.m., il peut recevoir no email. Alors, probability x égale 0. Nous pouvons gagner par e power négative lambda, e power négative 3.65 fois 3.65 power 0 sur 0 factoriel. Si nous évaluons, la réponse pour 0.02602, three significant figures. Deuxième partie, nous avons at most 4 emails. At most veut dire maximum, maximum, less or equal to 4. Alors, nous avons une probabilité x égale 0, plus probabilité x égale n, plus probabilité x égale 2. Ok, nous avons encore 2, ça veut probabilité x égale 3, après probabilité x égale 4. Alors, nous remplaçons nos formules. Premier, nous pouvons e power négative 3.65 fois 3.65 power 0 sur 0 factoriel plus probabilité x égale n divin e power négative lambda fois lambda power 1 over 1 factoriel plus probabilité x égale 2 divin e power négative lambda fois lambda
power 2 sur 2 factorial plus e power négative lambda fois lambda power 3 sur 3 factorial plus probabilité x égale 4 et e power négative lambda fois lambda power 4 sur 4 factorial. Nous évaluons deuxième partie où vous trouvez qui réponse vin 0.697. Question 2. During each afternoon, helicopters land on a holiday island one at a time at a constant average rate of 1 every 20 minutes. Find the probability that on a particular afternoon. Vous trouvez qu'il y a trois parties là et il y a trois intervalles différents. Ici, 10h30 p.m. jusqu'à 3h30 p.m. Il fait 1 hour. Next, 3h40 p.m. pour 4h20 p.m. Il fait 20 plus 20. Fais-toi 40 minutes. Et troisième partie, 2 p.m. to 2:15 p.m. il fait 15 minutes. OK. Alors ici, nous pouvons noter première partie, x c'est number of helicopters landing between, ça c'est between 2:30 p.m. and 3:30 p.m. Ça c'est première partie. Next, deuxième partie, nous pouvons dire y c'est number of helicopters landing between, ça n'a lié 3:40 p.m. and 4:20 p.m. Et troisième partie, nous pouvons prendre l'autre variable, nous pouvons prendre z ou nous pouvons prendre une autre variable p. P c'est number of helicopters landing between, déjà ici c'est 2 p.m. and 2:15 p.m. Alors pour tous les quatre exemples, nous pouvons avoir les lambda différents et nous calculons n par n. Premier, rappelle bien qui average là pour 20 minutes, average là li combien? Li 1 landing. Alors premier déjà li pour 1 hour c'est 60 minutes. Alors pour 60 minutes, c'est pour une n sur 20 fois 60. Et n sur 20 fois 60, c'est 3. Alors lambda pour 3 de la première partie. Deuxième partie. Alors rappelle bien qu'il y a 20 minutes, nous pouvons gagner 1. Average, il y a 1. À ça, nous avons pour 40 minutes. Alors pour 40 minutes, qui est pour venir? Il est pour une n sur 20 fois 40. Et n sur 20 fois 40 fait 2. Et troisième partie, il y a une cause pour combien? Pour 15 minutes. Alors, 15 minutes, c'est pour une n sur 20 fois 15. Et si nous évaluons n sur 20 fois 15, réponse pour une 0.75. Alors, troisième partie, réponse pour une 0.75. OK, alors, ici, x pour faire le Poisson distribution, nous mettons ni 3. Deuxième cas, y pour faire le Poisson distribution, nous mettons ni 2. Troisième cas, c'est pi pour faire le Poisson distribution, nous mettons ni 0.75. Alors, question qui nous demande pour chaque partie. Première partie, nous avons une probabilité qui est exactly 2 helicopters land. Alors, x égale 2. Et vous venez e power négative lambda fois lambda power x over x factorial. OK, nous évaluons. Vous pouvez trouver question 2 sur première partie. Réponse pour venez 0.224. Next, deuxième partie, nous avons une probabilité qui y at least 2 c'est greater or equal to 2. Et pour n retire probabilité y less than 2. Alors, il y a n retire probabilité y less than 2, nous avons la probabilité y égale 0 et probabilité y is equal to 1. Alors, il y a n retire probabilité y égale 0, nous pouvons gagner par e power négative lambda. Lambda ici dit 2, fais bien attention, fois 2 power 0 sur 0 factorial plus ici il y a e power négative lambda fois lambda power y over y factorial. Nous évaluons. Deuxième partie, réponse pour 0.594. Next, troisième partie, route probabilité qui P, il dit no helicopter land. Alors, probabilité P is equal to, nous cas c'est bien l'autre variable. Ok, P là, on peut trouver le match avec probabilité, nous cas c'est bien S, si tu as envie. Alors, route probabilité qui S, il dit pour combien no helicopter land. Alors, S égale 0. Qui dit pour venir e power négative lambda, négative 0.75, fois nous valeur lambda 0.75 power 0. Sur 0 factorial. Vous pouvez trouver qui troisième partie, réponse pour venir 0.472. Question 3.
the number of telephone calls made to a large office between 9:30 a.m. and 10:30 a.m. on a weekday follows a Poisson distribution with mean 6. Find the probability that there will be two or more calls between 9:30 and 10:30 on Tuesday. Alors ici, nous capables de noter nous X. X c'est number of calls between 9:30 a.m. and 10:30 a.m. Alors ici, X pour faire le Poisson distribution. On average, nous gagnons 6 phone calls dans cet intervalle là. Et question, première partie, there will be two or more calls avec during same duration of time on Tuesday. Alors, il y a une probabilité qui X dit pour greater or equal to 2. Il y a N retire probabilité X less than 2. Il y a N retire probabilité X less than 2 dit pour 0 avec probabilité X égale N. Alors, il y a une N retire probabilité X égale 0 dit I power négative lambda dit 6. Fois 6 power 0 sur 0 factorial plus I power négative lambda fois lambda power X over X factorial. Nous évaluons ou vous trouvez qui 3 sur première partie. Réponse pour venir 0.983. Next, deuxième partie. There will be exactly two calls between 9:30 et 9:40 a.m. on Wednesday. Ok, la duration of time là est différent. Nous allons prendre Y, c'est number of calls between. Allez pour between 9:30 a.m. and 9:40 a.m. Alors, why pour faire le Poisson distribution? Là, nous devons faire bien attention avec nos min lambda. L'indique qui 9:30, 10:30, il fait 1 hour. The 1 hour, ce min est 6. Et déjà, 1 hour, c'est 60 minutes. The 60 minutes, min là, comme il y était, min là, c'est 6. Et déjà, 1 minute, min là, pour venir 6 sur 60. Et là, il peut cause pour 10 minutes, parce que 9:30 to 9:40 a.m. il fait 10 minutes. Alors, pour 10 minutes, min là, pour venir 6 sur 60 fois 10, réponse pour venir N. Alors, le min vient N, et qu'il y a exactly 2 calls. Alors, probability Y égale 2, il vient I power négative lambda fois lambda power Y over Y factorial. Alors, si nous évaluons, deuxième partie, réponse pour venir 0.184. Next, nous pouvons faire troisième partie. Troisième partie, during a period of 5 days, there will be exactly 3 days when there are no calls between 10 and 10:10. Alors ici, il n'y a pas besoin de number of phone calls, c'est number of days. Find the probability that during a 5 days, there will be exactly 3 days. Alors là, nous pouvons prendre l'autre variable, donc on va prendre, disons, S. S, c'est number of days out of 5 days, the 5 days that there are no calls between 10 a.m. and 10:10 a.m. Alors ici, question peut dire probabilité qui S égale during 5 days, there will be exactly 3 days. Nous avons probabilité S égale 3. Alors vous trouvez la liste structurée comme un binomial distribution. Ok, S pour follow. Binomial distribution out of 5 days, ou valeur n pour 5, ou probability of success for one day, for each day. Nous avons besoin de ça. Alors, nous avons besoin d'être en 10 a.m. to 10:10 a.m. il fait un intervalle de 10 minutes. Pour 10 minutes, nous travaillons là-haut. Pour 10 minutes, sur lambda, il pour n. Alors, nous allons prendre comme un autre variable. Ici, nous allons prendre un variable là comme pi, ou soit nous allons prendre comme t. T, c'est number of calls between qui l'intervalle indien 10 a.m. and 10:10 a.m. Alors ici t pour faire le Poisson distribution, nous valeur lambda il pour pareil pour n même. Alors nous verrons probabilité que t égale combien? No calls. Alors t égale 0, il vient I power négative lambda fois lambda power x, ou soit t ici divisé par t factorial. Alors vous trouvez il vient tout simplement I power négative lambda I power negative 1. Alors ici, S pour faire le binomial distribution, probability of success for each outcome, il pour I power negative 1. Alors, il peut avoir probability S égale 3 pour binomial distribution, il pour venir 5C3 fois, ou valeur P, P, I power negative N,
power, nous valait s ici 3 fois n retire i power négative n, nous fait 5 retiré 3 fait 2. Alors nous évaluer troisième partie pour question 3, vous trouvez qui réponse pour venir 0.99. Question 4. The number of letters advertising various products that Alex receives per day may be modeled by a Poisson distribution with parameter 0.5. Find the probabilities that Alex receives. Ok, là vous trouvez dans trois situations différentes. On est particulier des, on three consecutive days et dans a 6 day period. Alors, pour première partie, nous pouvons dénoter par X. X c'est number of letters in a day. Et pour deuxième partie, nous allons dénoter Y, c'est number of letters during 3 days. During 3 consecutive days. Next, pour troisième partie, nous allons servir S. S c'est number of letters during 6 days. Ok, alors nous organisons. Vous pouvez trouver qui l'indique paramètre là est 0.5, mais il n'est pas dit. Ok, alors ici nous valait lambda pour 0.5. Pour deuxième cas, nous valait lambda qui peut être pour 1 day de 0.5, pour 3 days de 3 fois 0.5. Et 3 fois 0.5 fait 1.5. Next, pour 6 days, nous valait lambda pour 6 fois 0.5. Et 6 fois 0.5 fait 3. Alors nous répondons. Première partie, exactly two letters. Alors c'est X fait le Poisson distribution. Nous valait lambda de trouver divine 0.5. Les probabilités qui. Ou valait x dit exactly 2. Alors exactly 2 divine i power négative lambda fois lambda power x over x factorial. Alors 4 premières parties, réponse 20, 0.0758. Next, deuxième partie. La y pour faire le Poisson distribution. Ou min lambda de trouver 1.5. Ok, alors qui dit demander? Nous letter. Nous letter c'est probabilité qui y égale 0. Alors divine i power négative lambda. Fois lambda power y over y factorial, réponse vin 0.223. Et next, troisième partie, more than four letters, probability qui là nous peut cause s, ok, s, là s pour feu, s feu le, Poisson distribution, ou valeur lambda les pour 3, et libre de probability qui s, more than four letters, more than four, ok, ce équivalent li n retire probability s, less or equal to 4. Living n retire probability s less or equal to 4, living 0. Ok, write là, plus n plus 2 plus probability s égale 3 plus probability s égale 4. Ok, living n retire probability s égale 0, living i power négative lambda, négative 3, fois 3 power 0 sur 0 factorial, plus i power probability s égale n, living i power négative lambda. Lambda power x over x factorial. Troisième, s égale 2 divine i power négative lambda fois ou valait lambda power 2 sur 2 factorial plus i power négative lambda, lambda li 3 fois 3 power 3, numéro de probabilité s égale 3 sur 3 factorial. Et dernier, i power négative lambda fois lambda power s over s factorial. Nous évaluons, vous pouvez trouver que troisième partie pour question 4, réponse 20, 0.985. Question 5. The number of bacterial colonies on a petri dish can be modeled by a Poisson distribution. Average number is 2.5 per centimeter square area. Find the probability that there are no bacterial colonies in 1 centimeter square. Deuxième partie, 2 centimeter square. Troisième partie, 4 centimeter square. Alors pour première partie, là, nous pouvons dénoter comme X. Deuxième partie, là, par Y. Troisième partie, là, par S. X, qu'était ça? X, c'est number of bacterial colonies, ok, in 1 centimeter square. Et y c'est number of bacterial colonies in 2 centimeters area. Et s l'ipou number of bacterial colonies in 4 centimeter square area. Alors pour chacun l'ipou n'a valeur lambda. Ok, nous pouvons être pour premier, nous pouvons être pour deuxième et nous pouvons être pour troisième. Alors, nous organisons. La ligne dit que 2.5 cm square per 1 cm square. Et je veux dire 1 cm square pour 2.5 bactéries.
Alors, première partie, nous disons pour 1 cm square. Alors, pour 1 cm square, c'est pour 2,5. Deuxième partie, nous disons pour 2 cm square. Alors, nous faisons 2 fois 2,5, 2 fois 2,5, qui est 25, veut dire lambda pour 25. Troisième partie, nous disons pour 4 cm square, nous faisons 4 fois 2,5, et 4 fois 2,5 fait 10. Ok, nous commençons à organiser la première partie. Nous disons que c'est nos bactéries colonisent. Alors ici, x pour faire le Poisson distribution, nous valeur lambda les 2,5 nous trouvons, et qui peut être probabilité qui x égale 0. Il y a une i power négative lambda fois lambda power 0 sur 0 factoriel. 5 sur première partie, réponse vient 0.082n. Next, deuxième partie, nous disons que c'est more than 4 bactéries colonies. Alors probabilité y plus grand que 4. Et que y peut faire le Poisson distribution, nous valeur lambda les 5. Et plus grand que 4, more than 4, il faut n retire probabilité que y est less or equal to 4. Il faut n retire probabilité que y est less or equal to 4. N a 0 plus n plus 2 plus probabilité y égale 3. Et que nous terminons par probabilité y égale 4. Ok, il faut n retire probabilité y égale 0, il faut i power négative lambda fois lambda power y over y factorial plus e power négative lambda fois lambda power n over n factorial plus e power négative lambda fois lambda power 2 sur 2 factorial plus e power négative lambda. Ok, nous prenons une petite place, ça nous pourrait répondre pour la troisième partie. Ok, il y a e power négative lambda pour fois lambda power y de 3 sur 3 factorial et dernier e power négative lambda fois lambda power 4 sur 4 factorial. Nous évaluons deuxième partie pour question 5, Levin. 0.502, three significant figures. Next, troisième partie qui nous demande, exactly 6 bactérielles colonies. Alors, probabilité qui, la nous pouvons pour S, S égale exactly 6. Et S peut faire le Poisson distribution, nous mettons lambda les 10. Alors, probabilité S égale 6 qui nous peut faire, Levin e power négative lambda négative 10 fois 10 power S de 6 sur 6 factoriel. Nous évaluons troisième partie. Réponse pour 0.063n.